La modernité est un concept désignant l'idée d'agir en conformité avec son temps et non plus en fonction de valeurs, considérées de facto comme dépassées. Les philosophes, anthropologues et sociologues traitent principalement de ce concept, mais aussi les historiens, quand ils qualifient de moderne une des époques qu'ils étudient. Si bien que l'adjectif moderne est entré dans le langage usuel. Très lié aux idées d'émancipation, de croissance, d'évolution, de progrès et d'innovation, le concept de modernité constitue l'opposé, non seulement des idées d'immobilisme et de stagnation, mais des idées d'attachement au passé, tradition, conservatisme. C'est d'abord être tourné vers l'avenir. En cela, le concept de modernité constitue ce que le sociologue Max Weber appelle un idéal type, voire la base d'une idéologie. En France, le mot n'émerge qu'au début du 19e siècle, mais certains philosophes, notamment Léo Strauss, font remonter le concept au début du 16e siècle autour de la figure de Machiavel, pour exprimer l'idée que les humains conçoivent la politique en fonction de critères rationnels, économiques, démographiques, et non plus, comme par le passé, en fonction de considérations religieuses ou théologiques. D'autres intellectuels, plus rares, font remonter les origines du concept de modernité à l'Antiquité grecque. Le thème de la modernité, comme celui du progrès, constitue l'un des principaux fondements de la pensée dite humaniste. À partir de la seconde moitié du XXe siècle, ce concept est de plus en plus fréquemment remis en cause par les intellectuels, considéré comme arbitraire, car indexé à l'idéologie du progrès. Mais le débat reste confus, les tenants d'une postmodernité s'opposant notamment à ceux d'une non-modernité. Au début du XXIe siècle, les avis demeurent partagés, mais tous évoquent l'idée d'une crise de la modernité. Le philosophe Marc Alévy conclut à l'échec de la modernité, le sociologue Olivier Bobineau estime que nous sommes entrés dans une nouvelle phase de la modernité, et son confrère allemand Hartmut Rosa parle d'une fuite en avant de la modernité. Autre sujet de débat, alors que la question de la modernité est le plus souvent circonscrite à l'Occident, certains intellectuels estiment que l'on peut considérer que l'Extrême-Orient a été plus moderne que l'Occident. Les
publications se multiplient également quant au rapport de l'islam à la modernité. Le thème de la modernité traverse plusieurs siècles, et il est abordé dans de nombreux domaines, philosophie, sociologie, histoire, mais aussi art, sciences, technique. De nombreux livres et de nombreux articles lui sont consacrés. De surcroît, il ne cesse d'être ponctué de controverses, voire de polémiques. Différents penseurs recommandent d'éviter de l'hypostasier et d'engager en revanche une approche à la fois diachronique et transversale, réexaminer son sens en fonction des contextes tout en croisant les approches, philosophie, sociologie, histoire, histoire de l'art. Des analyses les plus significatives de cette approche transversale est celle du philosophe Jacques Bidet. Il voit dans la modernité une métastructure, une matrice abstraite, au sens d'un présupposé à la fois économique, juridique, politique et idéologique, dont le point de départ serait le marché, celui-ci étant considéré sous toutes ses formes, au sein du capitalisme mais aussi et tout autant au sein du capitalisme d'État qu'est le communisme.